Bonjour, je suis Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le Covid-19 a été découvert en Chine il y a presque un an, mais depuis, son origine reste entourée de mystères. D'où provient ce nouveau coronavirus? Par où est-il passé avant de contaminer l'homme? Où ont eu lieu les premières infections? Des chercheurs du monde entier se posent ces questions depuis le début de l'épidémie. Aujourd'hui, dans Code Source, on revient sur cette enquête qui n'est pas terminée, avec Nicolas Béraud, journaliste au Parisien. Nicolas Béraud, le 31 décembre 2019, les autorités sanitaires chinoises informent l'Organisation mondiale de la santé de plusieurs cas de pneumonie atypique à Wuhan, au centre du pays. C'est ça, donc plusieurs personnes sont atteintes, dont certaines dans un état grave. Les symptômes sont plutôt classiques pour une maladie respiratoire, c'est-à-dire de la fièvre, de la toux, des maux de tête, etc. La Chine informe l'OMS de cela, elle transmet les informations dont elle dispose, notamment qu'il y a des personnes qui sont malades, mais on sait extrêmement peu de choses. Nous, aux Parisiens, le premier article qu'on va faire, on va parler d'un mystérieux virus, d'un virus inconnu tout début janvier, mais ça paraît suffisamment grave pour que la Chine informe l'Organisation mondiale de la santé. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Déjà, on apprend dès le 9 janvier que c'est un coronavirus. C'est une gamme de virus qu'on connaît bien. Ils peuvent être responsables de maladies, entre guillemets, classiques qu'on connaît tous comme les rhumes, mais aussi de maladies plus graves comme celle du SRAS en 2003. Ce coronavirus-là, on va l'appeler 2019-nCoV. On va ensuite le renommer SARS-CoV-2. Le 11 janvier, la Chine va transmettre les données génétiques dont elle dispose. Et ça va permettre, on l'espère, aux scientifiques d'analyser en détail le génome de ce nouveau virus. Et à partir de là, dès la mi-janvier, la communauté scientifique internationale cherche à savoir au plus vite d'où provient ce nouveau coronavirus, comment il a pu infecter l'homme, pourquoi est-ce que c'est important ? C'est très important de savoir où et comment un homme a été infecté. Déjà, est-ce que c'est dans cette ville chinoise où on a recensé les premiers malades que le virus est apparu ? Ensuite, comment est-ce que l'homme l'a attrapé ? C'est potentiellement très inquiétant parce que la Chine indique elle-même le 11 janvier qu'un premier décès a été causé par ce nouveau virus. Et le problème, c'est qu'à l'époque, on ne sait pas du tout comment est-ce que ce virus peut se transmettre entre humains. On ne sait pas non plus s'il y a beaucoup de symptomatiques ou beaucoup d'asymptomatiques. Ça se trouve, il y a des dizaines, des centaines de personnes qui sont porteurs du virus mais qui n'ont pas de symptômes et qu'on n'arrive pas encore à détecter. Et très rapidement, c'est un marché aux fruits de mer et aux poissons de la ville de Wuhan qui est pointé du doigt. C'est un marché aux fruits de mer, mais il ne vend pas que des fruits de mer, il vend énormément d'animaux sauvages, des serpents, des rats, des mammifères, souvent vivants d'ailleurs. Il est pointé de doigt parce qu'en fait on se rend compte que beaucoup des cas de cette maladie qui sont recensés en Chine, ils ont un lien avec ce marché, soit en tant que vendeur, soit en tant qu'acheteur. D'autant que ce virus, on pense que comme des précédents virus dans l'histoire, il a une origine animale, donc c'est aussi pour ça que les soupçons se portent sur ce marché. Les scientifiques veulent déterminer lequel de ces animaux vendus sur ce marché a pu servir de réservoir au virus, autrement dit qu'il l'a abrité, sans forcément d'ailleurs que ce soit mauvais pour lui, avant de le transmettre à l'homme. Et les chercheurs commencent à avoir une hypothèse sérieuse. La première hypothèse sérieuse qui est avancée au début, c'est celle de la chauve-souris. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, les scientifiques, en analysant le génome de ce nouveau coronavirus, ils se sont rendus compte qu'il y avait de fortes corrélations avec les virus chez la chauve-souris. C'est ça qui leur fait penser que c'est cet animal qui vraisemblablement a été l'animal réservoir porteur du virus au tout début. Mais il y a un consensus chez les scientifiques, la chauve-souris ne peut pas avoir transmis le virus directement à l'homme. Oui, parce qu'entre ce coronavirus qu'on a découvert et puis les virus qu'on trouve habituellement chez la chauve-souris, il y a certes de très fortes corrélations, mais il manque un chaînon manquant. Et c'est ça qui fait dire aux scientifiques qu'il y a forcément ce qu'on appelle un animal intermédiaire qui a reçu le virus de la part de la chauve-souris. Et ensuite, il y a eu une sorte de mutation du génome et ensuite, il a pu être transmis à l'homme. Le 23 janvier, le professeur Arnaud Fontanet accorde une interview au Parisien. Qui est-il ? Alors Arnaud Fontanet, c'est un chercheur très connu en France, un chercheur de l'Institut Pasteur. Il dirige la section recherche et expertise en maladies émergentes de l'Institut Pasteur. Il intervient très régulièrement sur ces sujets-là. Et dans son interview au Parisien, il explique notamment que la priorité est de remonter justement à l'origine du virus. Il faudrait pour cela arriver à recenser le patient zéro pour ensuite tenter de remonter
à l'animal intermédiaire. Et d'ailleurs, Arnaud Fontanet, il a une image pour comparer ça. Il dit que ça ressemble à une enquête policière. Donc on se rend compte là, avec cette expression, de la tâche qu'il y a à accomplir. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre sur les autorités chinoises, par exemple ? Il regrette d'une part que les autorités chinoises ne communiquent pas davantage d'informations sur ce virus. On peut supposer qu'elles en savent bien plus que ce qu'elles ne disent. En revanche, il tempère en disant qu'elles n'ont pas, je cite, « mis l'affaire sous le tapis », comme ça avait notamment pu être le cas en 2002-2003, au début de la pandémie de SARS. Nicolas Béraud, le 7 janvier, l'Université de Chine du Sud publie une étude qui avance cette hypothèse. L'animal intermédiaire qu'on recherche serait probablement le pangolin. Sur la liste des principaux suspects, ce petit mammifère recouvert d'écailles. Selon des scientifiques chinois, le pangolin pourrait avoir joué un rôle dans la transmission du coronavirus à l'homme. C'est à la fois un aliment très luxueux, en Chine notamment, et puis c'est aussi un animal qui peut être utilisé notamment pour faire avec le cuir des portefeuilles. Et d'ailleurs, c'est pour cela que c'est un animal qui est aussi l'objet de trafic, de braconnage, et qui est d'ailleurs en voie d'extinction. Ce que découvrent les chercheurs de l'Université de Chine, après avoir analysé 1000 échantillons d'animaux sauvages, ils ont constaté que ce coronavirus, il avait une séquence génétique semblable à 99% avec des virus chez le pangolin. Et du coup, on suppose à ce moment-là fortement que c'est le pangolin qui est l'animal intermédiaire de la transmission entre l'animal réservoir, sans doute la chauve-souris, et l'homme. Et à première vue, cette piste, est-ce qu'elle paraît crédible ? Elle paraît tout à fait crédible. Scientifiquement, tout semble coller. Après, il faut quand même être prudent parce que c'est une étude de l'Université de Chine, mais ce n'est pas une étude internationale. Les chercheurs étrangers, souvent, n'ont pas pu faire leurs propres travaux. Donc, on n'en est pas encore certain, mais ça paraît effectivement une piste crédible au point que le pangolin, dans l'esprit un petit peu de tout le monde, va devenir quelque part le coupable de l'arrivée de ce virus chez l'homme. Maintenant, je suis la fierté du règne animal. Quand je débarque dans la forêt, je roule des écailles. Tous les autres animaux sont là. Regardez, c'est le pangolin, c'est lui qui a fait la misère aux humains. Le 14 avril, plusieurs médias américains rapportent les sérieux doutes des services de renseignement de la Maison-Blanche sur l'origine du Covid-19. Ce qui est révélé par les journaux ou les chaînes de télé américaines, c'est que les services de renseignement des États-Unis, ils disent que le virus aurait pu s'échapper accidentellement d'un laboratoire, peut-être le laboratoire de Wuhan qui est classé P4, donc à très haut niveau de sécurité. Il n'y a rien d'avéré, évidemment, on en est qu'au stade des soupçons, des possibilités, des rumeurs, ça semble quand même assez fou, mais c'est vrai que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, dit lui-même qu'il a des preuves immenses. Évidemment, bah voilà, ça affole beaucoup, ça fait beaucoup réagir. Et qu'est-ce qui leur permet de penser que ce laboratoire de Wuhan dont vous parlez serait à l'origine d'une fuite de ce virus ? Ce laboratoire, il est sorti de terre en 2015, mais il n'est entré en fonction quelque part que 3 ans plus tard. Il a été monté en partenariat avec la France. D'ailleurs, le Premier ministre Bernard Cazeneuve s'y est même rendu en 2017. C'est un laboratoire dans lequel les chercheurs notamment travaillent sur des virus, les examinent, voient comment ils réagissent, voient comment ils fonctionnent. Donc évidemment, c'est potentiellement très dangereux. En théorie, il y a de très fortes règles de sécurité qui sont mises en place. Par contre, c'est vrai que ces dernières années, régulièrement, des ambassades occidentales ou des chercheurs ont alerté sur le fait qu'il pourrait se produire un accident un jour. Après, il ne faut pas être dupe, il y a aussi un enjeu politique et diplomatique. On sait que les États-Unis et la Chine, notamment depuis l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, sont quelque part en conflit, notamment commercial. Donc c'est vrai que cette histoire de la fuite venant d'un labo s'inscrit aussi dans ce contexte de tension très forte entre les deux superpuissances. Plusieurs chefs d'État prennent la parole et pressent les autorités chinoises de s'expliquer. Exactement. Donald Trump déjà va dire qu'une enquête approfondie va être lancée. Emmanuel Macron est interrogé par le Financial Times et le 16 avril, il dit qu'il y a manifestement des choses qui ne sont pas dites par la Chine. Tout le monde s'interroge, de quoi il parle, est-ce que c'est l'origine du virus, est-ce que c'est le bilan? Et alors en plus de ça, le lendemain, le 17 avril, la Chine annonce que le nombre de décès recensés grimpe d'un coup de 50%. Eux, ils expliquent qu'en fait, ils ont eu d'un coup des remontées d'informations de la part d'hôpitaux et de centres hospitaliers qui n'étaient pas remontés jusque-là. Mais c'est vrai que voilà, on peut quand même s'interroger dans ce contexte-là, le fait qu'ils retrouvent quelque part 50% de décès supplémentaires, ça intrigue. Whether it started off as a mistake and then they made another one or did somebody do something on purpose, that's a hard question for them to answer. Et que répond la Chine ?
La Chine s'agace, la Chine dément à la fois toute origine venant d'un laboratoire, elle dément aussi toute manipulation dans les chiffres. Il n'y a eu aucune dissimulation, dit même officiellement un porte-parole chinois. Et ce coronavirus, il est aussi nouveau, au sens où il n'avait jamais été détecté jusque-là. C'est pour ça que pendant longtemps, on a parlé de nouveau coronavirus. Et ça, c'est aussi la preuve que voilà, il n'était pas dans la nature quelque part ou dans un laboratoire depuis des décennies. En parallèle, il y a toujours cette rumeur qui circule, notamment sur les réseaux sociaux, selon laquelle le Covid-19 aurait été créé de toutes pièces par l'homme. Ce virus aurait été fabriqué par les laboratoires pharmaceutiques. Un complot des milliardaires avec Bill Gates en tête pour réduire la population mondiale. C'est un virus de guerre qui était destiné à nettoyer les territoires qui vont être conquis. Est-ce que c'est probable ? C'est quand même très peu probable. Donc il y a effectivement la rumeur d'une origine accidentelle depuis un laboratoire. Il y a aussi la rumeur d'une origine criminelle. Donc quelque part, le virus aurait été fabriqué par l'homme à des fins malsaines. Alors, c'est notamment une théorie qu'avance le chercheur français Luc Montagnier, qui est prix Nobel de médecine en 2008, notamment pour avoir co-découvert avec d'autres le VIH. Le souci, c'est que ça paraît extrêmement peu probable. Quand on regarde la séquence génétique du SARS-CoV-2, il n'y a rien qui prouve une manipulation humaine, ça semble être une suite de séquences quelque part naturelles. Il n'y a pas tellement de soupçons laissant penser qu'il peut y avoir eu, comment dire, une manipulation humaine à l'origine de ce virus. À la fin du printemps 2020, où est-ce qu'on en est des recherches ? Qu'est-ce qu'on sait des origines de ce virus ? Il semble très probable que ce virus ait une origine animale. La chauve-souris fait figure, entre guillemets, de suspect numéro 1 pour l'animal réservoir. Le pangolin est toujours suspecté d'être l'animal intermédiaire avant la transmission pour l'homme. Et on cherche aussi toujours à retrouver le patient zéro. Alors, en Chine, officiellement, on peut remonter au moins jusqu'au 1er décembre. Par contre, possiblement, le virus a peut-être circulé en Chine ou ailleurs dans le monde auparavant. Il y a des chercheurs qui disent qu'on a pu en retrouver des traces dans des eaux usées. À Barcelone, par exemple, il y a aussi des analyses a posteriori sur des patients dans l'est de la France qui montrent que certains auraient pu avoir été infectés par ce virus à l'automne 2019. Donc, il y a encore des doutes sur là où on a recensé ce virus pour la première fois dans le monde. On va faire un saut dans le temps, Nicolas Béraud. À l'automne, de nombreux articles sont publiés dans la presse sur le rôle du pangolin, cet animal suspecté d'avoir transmis le virus à l'homme. Qu'est-ce qu'ils disent ? En fait, les scientifiques se sont penchés sur les travaux menés par les chercheurs de l'Université de Chine du Sud et ils se sont rendus compte que les corrélations entre ce coronavirus que l'on a découvert chez l'homme et les virus chez le pangolin sont plus aussi fortes qu'on a pu le penser à un moment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus quelque part 99% de ressemblance, mais on est autour plutôt de 90%. Alors, ça paraît pas énorme comme différence, 90% ça paraît toujours beaucoup, mais c'est pas suffisant pour incriminer forcément le pangolin. En novembre, une équipe de 5 chercheurs français publie un article dans la revue Science Médecine et ils reviennent sur l'hypothèse d'un probable virus échappé d'un laboratoire. Alors, ils disent qu'il ne faut pas exclure la piste d'une origine accidentelle à partir d'un laboratoire de ce coronavirus. Alors, ils disent bien que ce n'est pas la piste la plus probable, hein, que la piste la plus probable reste l'origine naturelle animale, mais qu'il ne faut pas l'exclure pour pouvoir l'examiner, l'approfondir, l'investiguer totalement. Et peut-être qu'un virus, par exemple, qui a été, entre guillemets, travaillé chez une chauve-souris, bah peut-être qu'il est sorti par inadvertance d'un laboratoire de cette zone pourtant ultra protégée. Donc voilà, ils mettent en garde, ils disent « c'est pas le plus probable, mais il faut pas l'exclure ». L'un de ses auteurs, Étienne De Crolly, virologue au CNRS, est interrogé par Le Parisien le 8 novembre. Comment il se défend ? Déjà, lui, il dit que le risque zéro n'existe pas, donc c'est pour ça qu'il faut approfondir cette piste. Ensuite, il dit que voilà, c'est pas du tout être complotiste de penser ça, c'est juste qu'il faut, pour pouvoir garantir une sécurité plus importante à l'avenir, qu'il faudrait quand même pouvoir définitivement dire si oui ou non c'est accidentel, afin, le cas échéant, de prendre des mesures plus drastiques. À la fin du mois de novembre, le quotidien du peuple, le média officiel du régime chinois, assure que ce nouveau coronavirus, à l'origine de la pandémie, ne venait pas de Wuhan. Alors plusieurs médias d'État chinois vont quelque part, ils vont dire que oui, les premiers cas officiellement recensés dans le monde, ils l'ont effectivement été à Wuhan, mais par contre peut-être qu'il y a eu des cas ailleurs. Enfin voilà, ils essayent de faire penser que le virus n'est pas né entre guillemets en Chine, tenter d'instiller un doute. Et est-ce que c'est vrai ça ? Bah à première vue ça semble quelque part osé parce que les premiers cas recensés au bout de près d'un an, ils l'ont été encore une fois sur le marché aux fruits de mer de la ville chinoise. C'est aussi là que les formes graves sont apparues. Par contre quelque
part, la Chine tente, entre guillemets, d'appuyer un petit peu là où ça fait mal, sur ce fameux animal intermédiaire. On n'a pas encore de certitude comment est-ce que l'homme a attrapé le virus la première fois. On sait qu'il y a aussi des traces qui ont possiblement été retrouvées dans d'autres pays du monde avant décembre 2019, même si ce n'est pas confirmé. Donc c'est là-dessus que joue la Chine. Pourquoi est-ce que la Chine tient à marteler cette version ? Il y a aussi un enjeu politique. Le chercheur Antoine Mondas, qui connaît très bien la région, il nous explique que l'objectif n'est pas forcément de convaincre la population que l'épidémie n'est pas née en Chine, mais au moins d'instiller un doute. Sa collègue Valérie Niquet, qui connaît très très bien la Chine, dit que pour les dirigeants chinois, c'est important de mettre en avant cette version, d'une part pour des raisons internes, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément bien en Chine. L'épidémie a aussi généré une certaine défiance, une certaine crise, et puis aussi auprès du monde extérieur, pour montrer à l'ensemble de la planète que non, la Chine n'est pas forcément responsable. Comme on voit qu'aujourd'hui toute la planète est touchée, c'est aussi important de ne pas laisser penser, ou en tout cas de chercher à tout prix à montrer que ce n'est pas forcément la Chine qu'on est à l'origine. Nicolas Béraud, un an après le début de l'épidémie, pourquoi est-ce qu'on ne sait toujours pas tout sur les origines de ce virus ? Alors, bon, bien sûr, depuis près d'un an, les chercheurs du monde entier sont surmobilisés pour travailler sur ce sujet. Mais malgré cela, c'est vrai qu'il y a encore pas mal d'interrogations et de flou, parce qu'en Chine, les premiers malades officiels, ils datent d'au moins le tout début décembre. Mais voilà, les autorités chinoises ne communiquent pas toutes les informations. Il y a notamment eu un rapport confidentiel qui a fuité dans la presse américaine début décembre, qui montre que les cas de grippe étaient 20 fois supérieurs dans certaines régions du Hubei, donc 20 fois supérieurs aux chiffres officiellement recensé, donc ça peut laisser penser qu'il y a eu des malades du Covid-19 avant les premiers cas officiellement recensés. Il y a peut-être aussi eu le virus qui a circulé ailleurs dans le monde auparavant. Donc sur tous ces sujets-là, il y a encore des choses qui demeurent à éclaircir totalement. Est-ce qu'on a au moins une certitude sur ce virus ? Il y a quelque chose qui semble très probable, c'est que l'animal réservoir, celui où le virus est apparu en premier, c'est la chauve-souris. Par contre, encore une fois, il manque le chaînon manquant entre la chauve-souris et l'homme. Une mission internationale de l'OMS doit se rendre en Chine début janvier, précisément pour avancer sur cette question. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors l'OMS, ça fait des mois qu'elle a mis sur place cette équipe d'enquêteurs internationaux, ça remonte au début de l'été. Par contre, depuis cette date, ils n'ont pas pu aller en Chine, en tout cas ils n'ont pas pu y aller pour leur travail d'investigation. Alors, on vient d'apprendre qu'ils pourront y aller en janvier, des enquêteurs de l'OMS pourront se rendre en janvier, notamment dans la région du Hubei a priori. Le souci, c'est qu'on ne sait pas encore à quoi est-ce qu'ils auront accès précisément, on ne sait pas encore dans quelles conditions. Et puis, bah, pour revenir à ce marché aux poissons, il a été très rapidement, début 2020, désinfecté et fermé, donc ça va être très compliqué de mener une enquête approfondie dessus. Est-ce qu'on a encore des chances de découvrir un jour d'où vient ce virus et comment il est passé à l'homme ? En tout cas, on peut l'espérer. On voit que la Chine, peut-être aussi sous la pression de la communauté internationale, accepte de s'ouvrir petit à petit. On sait que les chercheurs sont très mobilisés. On sait que la connaissance scientifique autour de ce virus s'affine. Donc, il y a différentes raisons qui peuvent laisser penser qu'on finira par savoir. Par contre, effectivement, ça pourrait mettre un petit peu de temps encore. Merci à Nicolas Béraud. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Il est disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Raphaël Pueyo et Nathan Châtelain. À la réalisation, Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcasts ou Google Podcasts. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles sur un commentaire ou sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr.